Je pense que le ministre de l'Intérieur est un homme honorable, tout le monde le sait, mais pour autant, c'est une forme de prime à l'échec. Grève des policiers, toujours pas d'arrestation de ceux qui ont brûlé vifs les policiers à Viry-Châtillon, un pays désarmé face aux attentats. Vous estimez que Bernard Cazeneuve a échoué au ministère de l'Intérieur? C'est pas ce qu'on entend depuis le début de la matinée sur France Info. Eh bien, écoutez, moi je regarde les chiffres, je regarde la réalité. Il n'y a jamais eu une insécurité aussi forte en France. Les auteurs des agressions de policiers sont rarement arrêtés, rarement condamnés d'ailleurs. Et ce n'est pas simplement la faute de Bernard Cazeneuve, il faut être honnête. C'est aussi une politique globale, gouvernementale. Un laxisme judiciaire incroyable lié à la loi Taubira qui avait été votée à l'époque. Donc tout le monde se félicite de Bernard Cazeneuve. Venez vivre dans les quartiers populaires de mon département et vous verrez que les Français ne se sentent plus protégés.